President, please be seated. Le président, veuillez vous asseoir. L'audience est reprise. The court is now in session. Before the chamber proceeds to hear avant l'entendre the expert, l'experte, the chamber would like to inform that the chamber grants informer les parties the request by Nunchia to provide a binder to the expert, and the binder should only include the admitted documents. Qui ne doit comprendre que les documents déclarés recevables. The chamber would like to issue a ruling in relation to 2TZW960. The chamber still maintains the decision of its own. And that witness, the chamber is scheduled to hear that witness accordingly, based on the schedule. D'entendre le témoin selon le calendrier fixé. And the chamber requests the expert to answer slowly to the question so that the interpreters can fully interpret your answers. As far as you are concerned, the court here is using three official languages, working languages, English, Khmer, and French. Trois langues de travail, l'anglais, le français, le Khmer. Under internal rule 91 bis of the ECCC, the trial chamber first gives the floor to the defense team for Mr. Kyusumpon to put questions to the expert. The combined time for the defense team for Mr. Kyusumpon and Nunchia defense team is three sessions. You may now proceed. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. À titre d'information, je vous informe que, comme c'est à notre habitude du côté des équipes de la Défense, l'équipe de Kyusumpon va commencer en prenant la plupart du temps alloué et laissera à la fin le temps restant à l'équipe de Nunchia si elle souhaite poser des questions complémentaires. Bonjour, Madame Peg Levine. Je m'appelle Anta Guissé, je suis co-avocat international de M. Kyusumpon. C'est à ce titre que je vais commencer à vous poser quelques questions. International Co-Counsel for Kyusumpon, and it is in this capacity that I will put some questions to you. Président de publication, you have told the president of the publication of the first version of your thesis. The contextual study into the weddings and births under the Khmer Rouge, the Ritual Revolution, document E3-1794, et le livre que vous avez publié sur la base de cette thèse. Love and Dread in Cambodia, Weddings and Births and Ritual Harm under the Khmer Rouge, document E3-10677. Pour le côté pratique de mon interrogatoire, quand je vais faire référence au premier document E3-1794, je vais parler de votre thèse. Et si je devais faire référence à votre ouvrage publié en 2010, je parlerai de votre livre ou de votre ouvrage pour que vous sachiez à quoi je fais référence. Mais de façon générale, je vais essentiellement faire référence à votre thèse. Je rappelle également que je sais que vous parlez le français, donc peut-être qu'il y a des choses que vous comprendrez avant même la traduction, mais je vous demande de faire bien attention à marquer un temps d'arrêt entre ma question et votre éventuelle réponse pour les besoins de la traduction. Tout d'abord, au sujet de vos deux publications, donc votre thèse et votre ouvrage de 2010. Est-ce que vous pouvez indiquer quelles sont les différences essentielles? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce qu'il s'agit dans votre ouvrage publié en 2010 de compléments? Est-ce que vous pouvez indiquer quelles sont les différences entre les deux documents? What are the differences between the two publications? Are there any additions in the subsequent publication? Thank you.
As my first Merci. Answer relates to an unfinished question in the first session, my PhD thesis has 178 references in the bibliography, and my book has 184. So several more. There were a couple of other publications that came out between the time that I submitted my thesis. A thesis is submitted and goes for a period of time. And in Australia, our theses are sent out to international examiners, so it takes a while for them to come back. So from the time I submitted my thesis in 2006, it did not really finish its completion until 2007. So between that time of 2006 and the time my book came out, that was submitted for publication in 2009, that takes a year. In that time frame, I added seven more publications. Most of those were documents that were in the media where the word forced was used. The difference between the PhD thesis and the book is the audience. So, for example, knowing that I would expose myself a bit and become a bit vulnerable if I published my data for other researchers to have access to, I made the decision to do that in my thesis. And so the end of my thesis has 192 from my formal sample with a synopsis around the data, whereas the book has just my first sample of 11 couples, 22 subjects, and their summarized data. There's less detail around my literature review in the book than there is in the thesis, and perhaps less analysis where the reader can follow the steps by which I came to conclusions in the book than there is in the thesis. Qui m'ont mené aux conclusions que j'ai tirées dans mon ouvrage par rapport à ma thèse. Those would be the major differences. Voilà les principales différences. Donc si je dois résumer, c'est un petit peu votre ouvrage est un peu plus grand public et votre thèse évidemment comme travail de recherche est plus scientifique, on va dire ça comme ça. Est-ce que je résume bien and, your thesis les choses more scientific and contains more details. Should I say so as a way of summarizing what you've just said? Yes, I would agree with that. And I would add one more thing that my book allows, I mean, excuse me, my thesis allows the reader to see the steps by which I moved my methodology forward from a sample that was selective to a sample that was random for more generalization across the population. That would be another major difference. Je vais précisément revenir un petit peu plus longuement sur votre méthodologie tout à l'heure, d'ici un petit moment. Mais avant d'arriver à ce point-là, j'ai une question par rapport à votre parcours. Nous avons à notre dossier l'intégralité de votre CV ainsi que la liste de vos nombreuses publications et à l'attention de la Chambre et des parties. Je fais référence au document E3-433.1. De votre parcours, il ressort, vous avez une formation en philosophie, en anthropologie médicale, en psychologie et en sociologie. Ma question est de savoir si dans la manière dont vous avez abordé vos recherches, vous avez appliqué les méthodes de recherche de toutes ces disciplines ou est-ce que vous avez privilégié un domaine en particulier, et là je parle de votre thèse. Or did you focus on a particular area, and talking of your thesis here? My apologies. Réponse, je m'excuse. My research and thinking and analysis on a regular basis is informed by a multidisciplinary foundational background, I might say. D'un contexte when I started my PhD and I was at Victoria University, I had to qualify
as an anthropologist with regard to my capacity to understand and operationalize ethnography. After doing that and then transferring to Monash University into Monash Asia Institute in Asian Studies, the second half of my thesis, I think, was much more multidisciplinary, but I did follow the foundational principles of ethnographic research from an anthropological background. De la recherche ethnographique du point de vue anthropologique. Je suis désolée, c'est que des fois, enfin, si j'ai un air perplexe parfois, c'est que j'essaie de suivre avec la traduction et que parfois il y a des termes qui ne sont pas toujours simples. The terminology is not une question, easy. Alors moi je ne suis pas du tout spécialisée du domaine universitaire, mais votre, le libellé sur votre thèse, c'est un doctorat en philosophie. Je ne sais pas si c'est le philosophie au même sens qu'on l'entend en français, qui pour moi est beaucoup plus restreint que l'anthropologie, ou est-ce qu'il y a un sens en termes de dans les études anglophones qui est un petit peu différent, et est-ce que vous pouvez préciser ce point? In English studies, different from the meaning in French. Can you be more specific on that subject? The Australian PhD, Doctorate of Philosophy, very much follows along the lines of the American PhD, which means that you can do a Doctorate of Philosophy and specialize in a specific discipline. Je vous remercie de ces précisions. Thank you for this clarification. Je voudrais maintenant m'intéresser à votre démarche de recherche plus spécifique pour votre thèse. Vous avez évoqué, et vous le dites également aussi en avant-propos de votre thèse, sur la manière dont vous vous êtes intéressé au mariage. C'était un peu un hasard au départ. Vous étiez au Cambodge pour travailler sur un autre domaine, et c'est à la suite de discussions avec vos collègues que vous vous êtes intéressé à la question spécifique du mariage. Vous avez indiqué, vous l'avez redit encore ce matin, que au départ, vous aviez cet a priori, ce préjugé qui était de dire que les mariages sous le Kampuchea démocratique étaient des mariages forcés, et que en discutant avec vos collègues, vous avez entamé une autre, vous avez vu un autre angle et entamé du coup une autre démarche de réflexion. Donc ma première question est de savoir, par rapport à cet a priori que vous aviez au départ, et par rapport à votre angle de recherche, quels sont les écueils que vous avez vus qui se présentaient à vos recherches de terrain, et comment est-ce que vous avez envisagé ces recherches, et quelles précautions avez-vous prises au préalable pour pouvoir examiner ce point de la façon la plus objective possible? Pay more attention. At first, I startled myself by stumbling upon a belief that I had that I couldn't validate. That was the first moment for me, because I consider myself to be a rational person who tries to weigh many different sides of a story before I have an opinion. So I realized in that moment when my Cambodian colleagues who, through their lived experience, challenged me that I had some work to do to track how it is that I came to believe this. Now, if I can digress for a moment, in 1980, when I first was working with Cambodian refugees in the United States, the first wedding stories that I heard in the United States were not from Cambodia. The first wedding stories I heard when I was in the United States that led me to do research on Cambodia were two people, a man and a woman, who were clients of mine in a mental health center, who told me about their wedding in the refugee Thai border camps. So people were in the Thai border camps for long periods of time. This particular couple wanted to marry. They met each other in the camps and they wanted to marry. And they were told
that they had to marry in a Christian service so that they could be registered for host country passage. And when they came to me, they were very confused about their identity. They felt Buddhist on the inside, but in order to have particular services, they acted Christian on the outside. They never had a traditional ceremony in that context. It was that first case of hearing that wedding in that context that led me to start reading on Cambodia. And in my readings on Cambodia, I came across documents work by Elizabeth Becker, who used the word forced. So I was reading a lot of historical documents in many different places trying to get information. And the word forced, I think, subliminally just stuck with me. But when I was challenged by my colleagues when I came to Cambodia the first time, having only had experience of Cambodian refugee narratives being told to me, after that time, that's when I decided to go back into those historical documents and to see, was there a study done on this subject? If there was a subject done, was it done with multi-phased sampling rather than judgmental or selective sampling? So that's what started me on this project. And admittedly, when I started to get more and more data to the contrary of the word forced, and things were starting to brew a bit in Cambodia about the subject, and there were early solicitors, lawyers who were looking at that problem and sometimes seeking me out for conversation, I discovered in those conversations that oftentimes my topic of inquiry was less than appreciated, which then gave me more determination to move forward with a PhD on this topic. M'a déterminé davantage à effectuer un doctorat sur ce thème. I hope that answers your question. J'espère que cela répond à votre question. Oui, en partie. Yes. Partly. Ce qui sous-tendait ma question était de savoir par rapport à ces écueils-là et au fait que, si je comprends bien, le thème était je ne sais pas si le terme brûlant est, en tout cas était litigieux et était source de discussion et de débat. La question des mariages sur le Cambodge démocratique. Comment avez-vous abordé vos recherches et quelles sont les précautions dans votre méthode de travail que vous avez prises pour justement ne pas partir d'une idée préconçue, mais de partir du matériel sur lequel vous travaillez. Je ne sais pas si ma question est plus claire. I hope my question is clearer. Sorry. C'est vrai, il y a toujours ce délai de traduction et en anglais et en khmer. It is true that you always have to observe this pause to allow for translation both in English and in khmer. I started my research by dividing it into three phases. The first phase was exploratory. So I'd like to clarify, the first doctoral study that I did was a pure quantitative study. But now I was moving into a qualitative study. And in order to do a qualitative study, one requires a lot of measures to make sure that study is reliable and valid. So in that regard, I decided to do my study with what can be called multi-phased sampling. I chose my first sample with only two criteria. I wanted to interview couples who were together, in part so I could have male and female and find consensus between the two if I spoke to them individually and then compared their stories. And secondly, the other criteria that I had was that
They were married inside Cambodia and had no refugee status. Au Cambodge et n'avait so, pas de statut which meant refugié. I did my study inside Cambodia. Those are the only two overriding criteria that I selected for my sample. Critères fondamentaux and so then I went from a purpose of sample ensuite, je suis partie that was selective, d'un échantillon sélectif. And I would like to qualify choisi à dessein selective sampling et je vais décrire ce que j'entends par because one can approach selective sampling from two perspectives. Purpose of sampling, excuse me, from two perspectives. One is selective and one is judgmental. Sometimes in qualitative research, a researcher will choose a judgmental approach to a study because they want to canvas, let's say, somebody wants to study opinions about abortion in a country, so they might select a sample from either a pro-abortion NGO or an anti-abortion NGO just to be able to get a sense of the influence, if you will. I chose to not use a judgmental sample as my first port of call. I chose to use a selective sample, which is used in early stages to explore a phenomenon. So I was looking at this phenomenon called weddings under DK. So in that regard, I chose couples so that I could understand how they experienced the weddings, comment ils ont vécu les mariages, where they experienced them, où ils ont how vécu they ces mariages, described them without me influencing that description, asking questions that were not leading from a selective perspective, qui n'étaient pas orientées, and trying to get a sense of d'un angle sélectif, couples who were j'ai voulu married comment les couples in mariés, the same places au même endroit, with different leaders. So I might be able to understand within comment a village structure what influences there may have been différents that interacted with my respondents' experiences. So that was how I originally chose my first sample. Now, I will say that my first couple that I traveled with was a convenience couple. So under selective sampling, we can choose a selection of convenience. The reason I chose this one couple was because it was the first couple that challenged my use of the word forced. So I chose them as the first couple to travel with, to interview three times together, separately, to get a sense of the consensus. I traveled to the work camps with them, where they were. One was in the boys' camp and one was in the girls' camp. And then I heard their story at their camps about how they were each called for a wedding. I traveled with them to the wedding site in a village where there are other people living who were married in that same place at different times. And I traveled with them the road they took, that they walked, the night after they were married when they were told that they could go to the woman's parents' home to stay for 3 days. So that was my first sample. Again, a sample of convenience, so I could really just get more of a sense of where I was going to go next. Then I moved that into the second phase, which going from a convenience sample to a selective sample. What I discovered when I was in that village was that there were other couples that had been married there at different times by different leaders. They told different stories about what their wedding was, the structure, the procedures. And I basically snowballed, if you will, maybe dungballed. I don't know what term to use when there's no snow in Cambodia, but I, to use the term in the literature, I snowballed my sample then only wanting to talk to couples who were married under DK, je ne sais pas si on peut parler de neige, but who were in villages at times when different leaders presided.
So my first sample was much larger from the central zones. I traced things in the administrative zones, much larger in that central zone and southwest zone than other zones. So that was the first sample of 22. In analyzing my data, I tried to keep that separate from moving on next to a more random sample, d'écarter cela, which I can speak more about as well if you'd like me to. D'un échantillon plus aléatoire, si je peux m'exprimer ainsi. Avant de passer à la question de l'échantillon aléatoire, je voudrais vous poser quelques questions par rapport à ce premier échantillon de convenance qui est essentiellement sur la zone centrale et la zone sous-ouest, c'est 22 personnes. In the central zone, j'ai compris que vous avez interrogé ces couples à plusieurs reprises. Donc ma première question est de savoir est-ce que c'était espacé dans le temps, est-ce que c'était sur plusieurs mois, plusieurs semaines ou plusieurs années, puisque vous avez indiqué que vos recherches étaient étalées sur 8 ans. Et ma deuxième question, vous avez utilisé le terme « j'ai voyagé avec eux ». Quelle était l'importance pour vous de vous déplacer sur les lieux de ces mariages? Et why was it important for you to travel qu'est-ce que ça vous a apporté en termes de recherche? Of the marriages and what did you gather from such trips in terms of research? Again, a nice critical question. That first couple, I met with them over 3 years, in part because when I wrote up my summary, I brought my summary back to the couple to make sure that they agreed with what I summarized. So that's one reason I worked with them for such a long period of time. Secondly, I traveled and filmed them. I actually had a French film person who did filming when I traveled with them as a way of having visual and auditory data. So the traveling with them to the different sites and speaking with them on the different sites, I have all of that on film. And that was very useful for me to be able to not only analyze content data, most research that is done solely on written transcripts is usually content-based data in the final analysis. I wanted to triangulate content data, process data, and context data. Now, again, to digress a moment, because I had already done a PhD study, and because I had been a PhD supervisor and senior researcher for 25 years, I designed this study so that I could triangulate that data, because I, again, was seeing comments about weddings under DK based only on content-based data. So for me to triangulate that data was essential for me to use film. That's the first thing I'd like to say, and I used film quite a lot for many other interviews. Second or third, important reason for me to choose to return to sites with my respondents. As a psychologist and a trauma-informed psychologist, I'm very aware of how place history stimulates memory. And so it was important for me when I was interviewing to be able to hear the history in one's home, and then travel with one to the sites to see, did the history I was hearing change from the time I heard it in someone's home to the time I was with them standing on the site? And yes, it did. That required a lot of analysis on my part to determine which is the real story. And that is why I went back to people again and again and again to get that reliability check from them about the story. The other thing I want to say about that was that in terms of
ethics of my work, I had a duty of care to the safety, the psychological and the spirit-based safety of the people I was traveling with and interviewing. And I did work with a psychiatrist that is known to the courts, Dr. Lena Hewitt, because he was a more of an independent psychiatrist. I worked with him so that if I was concerned that someone might have bad dreams that night or they needed some other assistance psychologically, I asked their permission to refer them to Dr. Lena, and Dr. Lena made visits or made follow-up contact with those people. Pour que ces personnes contactent le docteur Lena, qui pourra assurer le suivi de ces personnes. J'ai d'autres questions à vous poser sur ce premier échantillon de 22 personnes, mais puisque vous venez d'en reparler, je voudrais rebondir dessus. Ce matin, en répondant aux questions de Monsieur le Président, et là encore à nouveau, vous avez utilisé le mot éthique, vous avez indiqué à quel point c'était important pour vous, dans le cadre de vos recherches, d'avoir supervision académique pour des raisons éthiques. Academic et vous avez également supervision over it for ethical reasons, and you spoke also about the fact that it was important une revue, une relecture de vos travaux, to have your work reviewed in an independent way, transparente, si and in a transparent way, if I use the words I heard this morning. Et enfin, vous avez indiqué que vous ne vouliez pas that, avoir de fonds d'ONG. To have any funds from NGOs. Ma question, so my question, que vous avez dit ce matin, resulting from vous everything you said this morning and from what you just said now, est-ce que c'est, is why si important was pour it vous so important for you cette relecture, to have this academic independent et, review and to be financially independent as well ONG. From NGOs? C'est why was pour it so important for you? Pausing just a moment because it's a very complex Laissez-moi question un for me pour moi, la and my est très experience complexe. In association with mon at expérience times, et aussi parfois mes rapports avec des ONG en tant que consultante par exemple and the word independent consultant, et dans ce contexte le terme de consultante indépendante sometimes gets compromised. Parfois ce terme so for example, est compromis. Je prends un exemple. Was a consultant to a project. J'étais consultante dans le cadre d'un projet. Where I did, I thought, a thorough survey. J'ai fait ce qu'il m'a semblé être une étude approfondie. I never saw the final report mais because je pense ne jamais avoir vu le rapport final, définitif. Peut-être que ce rapport ne cadrait pas avec les visées so des organes qui fournissaient les fonds. And that's not just donc, inside Cambodia, it's in other countries pas seulement as well, au Cambodge, dans d'autres pays aussi, j'ai eu certaines expériences. When NGOs je m'explique. Are struggling very certaines hard, ONG to keep the organization going, font tout ce qu'elles peuvent pour continuer à agir, parfois, pas toujours, with funds that compromise, des projets sont mis en place avec certains fonds compromise outcomes, qui viennent compromettre ce qui vient compromettre le produit qui est censé être neutre. Not unknown. So in ce n'est pas regard, un phénomène I really inconnu, me semble-t-il. Et donc, ici, je n'ai pas voulu être associé à quelque visée d'ONG que ce soit, dans un sens ou dans un autre, very, sur ce thème précis. Topic. Il s'agit d'un thème faisant l'objet de débats on, très animés, et très rapidement, je l'ai bien senti. J'ai senti cette tension. Les discussions sont devenues très passionnées. Dans so in that regard, le cas de I personnes to be que j'ai interrogées, par exemple, in donc, research, j'ai voulu faire preuve to, de retenue dans mes recherches. Je suis allé au CDCAM quelques fois pour y trouver des documents research, dans un stade précoce de mes recherches, uniquement au début de mes recherches, donc. But other than that, mais I à part tried cela, to stay neutral. J'ai essayé d'être aussi neutre que possible. With regard to me, asking for alors, ethics
guidance. Est-ce que j'ai sollicité des directives concernant l'éthique auprès des comités, deux comités des universités, lesquels n'étaient pas impliqués dans des recherches quelconques? Leur objectif était de voir si l'étude répondait les critères permettant de dire que l'étude est valide et pertinente du point de vue culturel. À nouveau, je n'ai pas voulu le faire parce que j'étais consciente que ce thème était un thème suscitant beaucoup de passion. Et une des raisons pour lesquelles j'étais absolument déterminée à faire de mon mieux, même si on ne peut pas être parfaite, c'était pour la raison suivante. On me répétait sans cesse un récit experiences where they described their weddings à savoir as being des expériences dans lesquelles le mariage était décrit comme quelque chose de réel. Agenda, et plus la question du mariage forcé those people that I was était interviewing started to feel plus ashamed. Les gens que j'interrogeais and so I worked very hard avaient honte. To just see donc, if I could j'ai fait de mon mieux track pour voir si je pouvais retrouver des données qui donneraient un produit, plutôt que d'orienter moi-même mes données afin de parvenir à un certain résultat. J'ai essayé de voir si je pouvais rassembler des données qui pourraient mieux représenter la population générale du Cambodge. Je ne dis pas que c'est parfait parce qu'il peut y avoir encore, il doit y avoir encore des recherches, mais en tout cas, j'ai essayé de faire de mon mieux. J'en reviens maintenant I would like to turn à ce premier échantillon de 22 personnes of 22 people que vous avez interrogées plus précisément dans une localité. In one specific location. J'ai compris qu'il y avait un premier couple le couple déclencheur et que vous avez suivi avec lequel vous avez voyagé. Your research and the couple je n'ai pas compris en revanche si vous avez suivi ce however, même parcours de filmer et de voyager avec les 21 autres couples de ce premier échantillon. Est-ce que vous pouvez préciser ce point? Did you conduct your research in the same way with the 21 other couples? As much as possible. Dans la mesure du possible. So in that sample, the book is dans the easiest place to find that sample bien, because le I livre only est le meilleur endroit pour retrouver cet échantillon car ça figure à la fin du livre avec un code par couleur en fonction des différents couples. Il y a eu un couple qui s'était marié à Phnom Penh. Was a soldier, lui était soldat, il a fini par épouser son ancienne fiancée et il m'a conduit à l'endroit du mariage à Phnom Penh. But that couple mais led me to ce find someone in Siem Reap. M'a fait découvrir quelqu'un so, à Siem Reap. You know, it was really that sort of snowballing. Donc, but il y a with, eu une espèce d'effet boule de neige. But that couple not leading me to someone in Siem Reap. It was more that. Donc, avec ce couple qui m'a conduit vers quelqu'un à they didn't have, they did not have the experience in being interviewed with réalité, me that I was interested in anything other than what their experience was of how they met and what happened next. And so then they said, oh, but we know someone who was married in Siem Reap. And that's après. Kind of mais how that sample happened. Now, I ended that sample by what voilà we call in qualitative research alors, saturation, which is how, I ended my second sample que of 180 people that I surveyed. Point, mon once I started to get a repetition 180 of themes, personnes. Donc, j'ai vu que certains thèmes étaient récurrents. À ce moment-là, j'ai clôturé l'échantillon. Donc, il y a eu répétition de thèmes, des thèmes qui revenaient, moyennant certaines différences dans le temps, dans l'espace, concernant le déroulement des mariages, en fonction du dirigeant qui avait désigné un couple ou encore avalisé le choix des parents. Some saturation of my donc, data, quand je suis arrivé à une saturation des données, survey, j'ai élaboré une enquête que j'ai utilisée pour les 180 personnes du deuxième échantillon.
Donc, si je comprends bien, so if I understood you well, sur le premier échantillon de 22 personnes, c'était des discussions générales où vous, enfin, il n'y avait pas forcément de formulaire préétabli. Et à la suite de ces 22 entretiens, vous avez eu suffisamment de thèmes pour établir peut-être quelque chose de plus structuré en termes de questions pour le deuxième échantillon plus aléatoire. Est-ce que j'ai bien compris votre méthodologie? That was more random. Did I understand your methodology properly? I'll give just a little bit more detail. Je vais préciser. Because that first couple, ce premier couple that I interviewed and traveled with, the couple that avec lequel j'ai voyagé, celui qui initialement m'a remis en question. Donc, par l'entremise de ce premier couple, j'ai élaboré mes questions destinées aux 10 autres couples, même si ça avait été les questions utilisées pour le premier couple. Donc, je pourrais éventuellement lire ces questions. Elles sont à la page 4 de mon livre. Tell me when you first met. Dites-moi à quel moment vous avez rencontré pour la première fois votre conjoint. Dites-moi qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie avant votre rencontre. Décrivez le jour du mariage de façon aussi détaillée que possible. Est-ce que cela a été un mariage réel? Que s'est-il passé après votre mariage? Were you told to have sexual relations? Vous a-t-on dit d'avoir des relations sexuelles? Quelqu'un vous l'a-t-il dit avant ou après le mariage? What keeps you together? Qu'est-ce qui vous maintient what réunis? And who protected you? Qu'est-ce qui vous a protégé? Qui what vous a protégé? Protects you now? Qu'est-ce qui vous protège aujourd'hui? Kindly describe veuillez your own or a family member's pregnancy votre grossesse ou la grossesse d'un membre de votre famille à l'époque. Can you tell me about the pouvez-vous me of your parler child? De votre accouchement? Please tell me veuillez about the first me parler few days des quelques following jours qui ont delivery. Suivi votre accouchement. Kindly describe veuillez the care for your décrire child and les soins prodigués à votre enfant et aux autres enfants dans la commune. These questions came out of that first ces questions sont donc le fruit du premier entretien itinérant. I was only going to be doing dans un premier the temps, stories, mon intention était de parler uniquement du mariage. Mais couple, à mesure du voyage avec ce premier couple, on the road, I became very en sick. Cours de route, I je suis tombé malade. Nice. J'ai so mangé des œufs qui n'étaient pas de très bonne qualité. Donc, toute la journée de l'interview, I would have to go into the woods je devais m'éloigner I dans had les an upset bois, stomach. Car... And when I j'avais did that, une indigestion. Women looked after me on et that quand day. Je le faisais, they les femmes me, s'occupaient for de me, moi. And I said to the woman who I was traveling with, elles oh, se sont occupées de moi. Women treated you et the Rouge je leur ai dit, est-ce que c'est ainsi que les femmes vous said, ont no, soigné all, sous les Khmer no Rouge quand us. Vous avez accouché? Et on m'a dit, non, non, personne said, ne nous a touchés. To birth, like to elle a dit, je peux vous it emmener à l'endroit où j'ai accouché. Et c'est donc ce premier couple stories, qui a fait que par la suite, dans le reste de mes recherches, je me suis intéressé à l'accouchement et au mariage. Voilà comment ça s'est passé. C'est ainsi que ça a commencé et c'est ainsi que ça a continué. D'accord, donc si je comprends fine, bien, so ces well, questions que vous venez de nous lire, these questions that c'est you just des questions read que vous avez posées à l'intégralité des personnes avec lesquelles vous êtes entretenu, les 197 personnes qui font l'objet de votre dissertation. That's correct. However, exactement. For the other 160, I created pour les autres 160, a survey j'ai créé so I could get more data pour pouvoir recueillir davantage de données concernant les rituels, pour demander aux those gens de décrire en rituel les rituels, en détail les rituels. Had, voilà les questions d'information. L'étude comportait des questions plus détaillées, with those questions as the major outline. Ces questions-là représentant l'esquisse principale. Vous avez évoqué aussi ce matin, répondant à M. le Président,
que en dehors des 197 personnes who said that aside from the 197 people de votre étude who, de façon plus approfondie, vous aviez aussi way, eu interrogé spécifiquement plus des anciens elderly people des localités que vous avez visitées in the villages you visited parler des mariages to speak about marriages avant 1970. Avant de revenir précisément so sur ce que vous avez collecté sur le mariage traditionnel avant 1970, je voudrais savoir si, en dehors de ces questions sur les mariages avant 70, vous leur avez aussi posé des questions sur leur propre mariage ou leur propre expérience des mariages sous contexte démocratique, même si vous ne les avez pas spécifiquement inclus dans votre étude. Not necessarily included est-ce que c'est quelque chose que vous avez fait ou vous êtes contenté par ces autres personnes de parler des mariages traditionnels? To these other people about traditional marriages? First to clarify, it was 192 people in my study. Je précise que c'était 192 personnes dans cette étude. Deuxièmement, because I formulated my methodology j'ai mis au point and ma my méthodologie progressive sampling, et I did not waver mon échantillonnage progressif, donc je n'ai pas the attendu people cela. That I interviewed les gens in que j'ai the villages, dans les villages again, well over 1,000, étaient plus de 1,000. Were people who were not Ces married gens n'étaient pas mariés during Ils n'avaient Democratic pas été mariés Kampuchea. Sous le Kampuchea démocratique. C'était des gens qui étaient des anciens. Who, parfois, ou bien souvent, c'était des gens qui parfois avaient contribué à arranger le mariage de jeunes gens But sous le Kampuchea démocratique. Mais ces gens m'ont parlé de leur mariage. Dans bien des cas, ces gens s'étaient mariés dans les années 60. How their marriages were arranged, ces gens m'ont parlé de la façon dont le mariage avait été arrangé, wore, le déroulement de la journée du mariage, les vêtements portés, or just traditional music. I just la présence tried to de musique populaire traditionnelle. Donc, j'ai essayé de réunir autant de données que possible the anthropological and ethnographic studies that I had read, mostly, par rapport most aussi of them have been aux études ethnologiques, anthropologiques que j'avais lues le plus souvent en français, the studies that have come out of Phnom Penh. But I wanted to see was what they were describing J'ai voulu consistent voir si leur description with what I was reading, avec because what I was reading, lisais, of course, was ce que je lisais, bien entendu, oftentimes ethnographic studies are determined by the village in which the researcher is doing their study. I wanted to see Et ce sont les villageois qui déterminent l'étude. Donc, j'ai voulu voir quel rituel était propre à telle ou telle région du Cambodge. Donc, j'ai voulu confirmer, trouver confirmation de ce que je ne cessais de lire. Donc, je voulais voir comment les anciens décrivaient le mariage. J'ai voulu faire une comparaison régionale pour avoir ensuite une série de données. Me permettant de voir si les responsables des mariages sous le Kampuchea démocratique permettaient des rituels ou non dans d'autres cas. Justement, je voudrais vous poser quelques questions sur la notion de mariage arrangé dans la tradition khmer. Mais avant cela, je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit précédemment en citant un passage de votre thèse, le document E3/1794 à l'ERN en anglais seulement 00482443. Et vous parlez de la question du mariage sous le Kampuchea démocratique et vous dites en anglais Social pressure to describe the Khmer Rouge weddings as false has been unyielding. Décrire le mariage Khmer Rouge comme étant faux. Les interprètes prient à l'oratrice de bien vouloir répéter la citation. Merci. Mon accent anglais doit être vraiment épouvantable, je répète. Maybe my accent is a bit social problematic, so let me say it again. To describe the Khmer Rouge weddings pour décrire le mariage Khmer Rouge comme étant forcé has been unyielding. A été sans répit. Et à la suite de ça, And vous évoquez deux anecdotes, notamment la manière dont vous avez pu
être approché par des journalistes qui savaient que vous travailliez sur la question et qui ont utilisé le terme « mariage forcé ». Et vous dites ceci, je cite toujours en anglais, « In my reply, I suggested that this is a complex topic entendre que c'était un thème complexe and that classifying Khmer Rouge weddings as forced in a country where arranged marriages are common is perhaps misleading. C'est peut-être propre à induire en erreur. Fin de citation. End of quote. Ça me fait tout de suite rebondir sur ce que vous avez entendu sur la manière dont les mariages étaient arrangés avant le Kampuchea démocratique. Et ensuite, on verra sur ce qui s'est passé sur le Kampuchea démocratique. Mais vous, dans les entretiens que vous avez eus, dans ce que vous avez lu dans les ouvrages ethnographiques ou anthropologiques que vous avez étudiés, quel était le rapport au consentement des époux lorsqu'on parlait de mariage arrangé? Des mariages traditionnels, le mariage était avant tout une affaire de famille plus une question entre deux individus. Ma question, c'est vos entretiens avec les personnes qui se sont mariées avant 70 et de vos recherches de façon générale, vous pouvez décrire le mariage arrangé de façon traditionnelle? Firstly, premièrement, just to respond to your middle comment pour répondre à votre Nakagawa's statement, contrairement concernant ce qu'a dit Madame Nakagawa, it's a family affair, but not c'est une affaire de famille, families, mais affairs, une affaire de famille au pluriel, community, une affaire de communauté. I just want to say that it's not just about families, it's ça ne concerne pas seulement les familles, ça concerne les familles usually. Et la communauté en général. And oftentimes, fréquemment, even today, et même aujourd'hui, someone outside the family will quelqu'un participate d'extérieur à la famille in arranging participe marriages or arranging l'organisation, l'arrangement oftentimes du mariage ou des fiançailles. Unfortunately, there was no engagements arranged under DK. So that's my first comment regarding Ms. Nakagawa's comment. Et malheureusement, il n'y avait pas d'arrangement concernant le mariage sous le Kampuchea démocratique. With regard to arranged marriages, concernant les mariages arrangés, again, I went through the encore une fois, j'ai examiné la littérature existante, ethnographic studies, y compris les études ethnographiques. Il y avait des différences d'une étude à l'autre. So, laissez-moi une seconde. So for example, in some je prends of the un exemple. Ethnographic studies dans certaines on études ethnographiques sur les mariages, études faites par des étrangers, ils relèvent des modalités différentes quant au temps that communities took for qu'il a fallu wedding activities aux communautés qui a été consacré par les communautés au mariage. In some cases, un jour, and trois in jours, some sept jours, en fonction des régions, notamment. Cela varie aussi dans le temps et dans l'espace. Objects, je prends les objets rituels ritual à présent et la progression des rituels. Rituals, je n'ai pas voulu étudier uniquement les rituels. J'ai voulu étudier la séquence des rituels. Pas uniquement le contenu, pas la présence de tel ou tel objet. Je m'intéressais à l'ordre dans lequel on introduit des objets, de la musique, ensuite on retire la musique,
Beetle nut is introduced. Les cheveux qui sont coupés, on introduit de la noix de bétel. Bref, j'ai voulu établir l'ordre. When they talked about parce que weddings, j'ai vu que c'était important I quand les personnes interrogées parlaient du mariage. J'ai documenté l'ordre des événements. So, interestingly, il y a un point intéressant, so many differences in, c'est in qu'il, y a eu, qu'il y avait beaucoup de différences dans l'ordre des événements du mariage in terms of what happened before the wedding, par rapport à ce qu'il y avait avant les mariages, what sous le camp during Kucha démocratique, and what happened pendant after the wedding, et après very, very le there mariage. Many, many differences that une grande in my study that, diversité qui se dégage de mes études. Je pourrais le cas échéant y revenir. The loss of access to tradition, pour ce qui est de la rupture avec la tradition, cette rupture était profonde. And traditional rituals. Pour ce qui est de l'ordre des rituels, des actes traditionnels, c'était profond. The issue of dans mon étude, il est question d'érosion rituelle que j'ai distinguée d'un autre point, à savoir le point de savoir si c'était ou non des mariages forcés. Well, actually, worked very hard to not even ask that question, were they forced or not? Je me suis, come to a conclusion that they were not forced. Beaucoup travaillé pour trouver une réponse et je suis arrivé à la conclusion que ce n'était pas des mariages forcés. Pourquoi? Described their weddings to me, c'est au vu de la façon dont les gens m'ont décrit leur mariage, leur expérience, agreement, leur consentement with the choice of the person, whether that quant au choix agreement was de la with personne, the choice of the consentement mother, par rapport au or choix the father, de la mère, or the brother, ou du père, or the ou uncle, du frère, ou de l'oncle, or the auntie who sometimes ou de la tante, went to a leader and asked qui parfois s'adressait à un chef pour demander l'autorisation to marry, pour qu'un homme ou une femme se marie. They were usually in agreement. En général, ils marquaient leur accord. Je vais revenir plus précisément à ces différents récits que vous avez entendus dans le cadre de vos recherches. Un point research, que j'ai omis de faire préciser dans le cadre de votre méthodologie. To have you specify regarding your methodology. Je crois comprendre que vous ne parlez believe, pas Khmer, en tout cas pas couramment, et que vous avez forcément eu so besoin d'interprètes. Est-ce que vous pouvez indiquer comment ce choix d'interprète est intervenu et comment vous avez travaillé avec le matériel que vous avez en Khmer et comment ça s'est passé au niveau de l'exploitation de ces données. How did you manage that Khmer data? The reason that I tried very hard si j'ai fait de mon mieux audio pour utiliser of the interviews des enregistrements sonores des entretiens et des films numériques également, c'est parce que j'avais ainsi l'enregistrement. Effectivement, j'ai voyagé aux côtés d'un interprète, indépendamment de mes compétences linguistiques. Je recours à un traducteur, sauf si les recherches sont dans ma propre langue maternelle, de crainte que des nuances m'échappent. Donc, j'ai été accompagné d'un interprète qui a traduit les témoignages. J'ai ramené cela en Australie, comme à la Fondation Shoah. J'ai recouru à un traducteur indépendant pour traduire la première traduction. Et ce, parce que la personne qui interprétait pour moi lors des déplacements, ces personnes-là étaient elles-mêmes des survivants. Donc, to have a fuller sense of je devais the transcript me faire une meilleure idée du contenu de la transcription en recourant à quelqu'un qui n'avait pas cette expérience-là, quelqu'un qui vivait dans un autre pays. So that is how I did my research. Voilà comment even j'ai procédé dans mes recherches. French, même si je lis le français, center, je suis allé au centre culturel, j'ai fait des copies and de I tous had les documents, a person with French as their first language, et j'ai recouru make sure à des francophones I had them independently translate that,
Et je leur ai demandé de traduire ces documents de façon indépendante, car leur traduction était bien meilleure que la mienne, et c'est cette traduction-là que j'ai employée généralement. Donc, quand j'ai recouru à un deuxième traducteur pour traduire la première traduction, pour la retraduire, ce travail a été fait sans que le deuxième traducteur ne puisse se pencher sur la première traduction. C'est une question extrêmement importante et je vous suis reconnaissante de l'avoir soulevée. J'ai compris également en lisant votre thèse que dans le cadre de l'identification des personnes, ou en tout cas des premières approches avec les échantillons de personnes interrogées, vous avez eu recours à des étudiants qui vous ont aidé dans votre travail. Donc ma question est de savoir quel était le rôle de ces étudiants et est-ce que vous avez systématiquement rencontré les personnes qu'eux-mêmes ont rencontrées. Les 192, pour avoir le chiffre exact, les 192 personnes qui figurent au niveau de votre thèse, est-ce que vous les avez personnellement interrogées? Ou est-ce que vous avez eu des entretiens de seconde main, entre guillemets? Or did you have them interviewed by second person, by other persons? That is some kind of second-hand interviewing. Thank you for that. Merci. Yes, I did use students to assist me, students from Royal University of Phnom Penh, students who were in their last year of university, who had done their research course. They were not students of mine. They were not going to be graded by me. They were volunteer students. There was no second gain for them. I did not instruct them to choose people based on any particular persuasion about the weddings. I met with them four times, trained them in how to use the survey, trained them in how to stay with the original questions and to not add any other questions other than saying, can you tell me more about that? That was a question they asked a lot. They brought that material back to me, usually in Khmer. That was translated. And then I checked the translation of that translation. And then I took all of that information and I put it into the surveys. I did not, with those interviews, other than with seven, return to re-interview that cluster, that sample. That's very important to state up front. I used the same method for the remaining sample. J'ai utilisé la même méthode pour le reste des échantillons. Thank you, Your Honor. Based on something the witness has just said, I just wanted to raise this before the break so we could take advantage of the break. I understood from her answer, last answer in one a few minutes ago, if I understood correctly, that she developed a survey with questions that these students were to ask. And I think it would be very helpful to the parties and to Your Honors to have a copy of the questions that the students were to ask. I presume these go beyond the 13 topics from page 4 of her book that she read. So I would just ask if the President, Your Honor, could possibly ask her if during the break, if she has that in English and Khmer, to provide that to the legal officers so parties could get copies. Des copies aux juristes qui seront ensuite remises aux parties en Khmer et en anglais. Si tant est que ces copies sont à la disposition de l'experte. Je continue, je n'ai pas d'observation particulière. En présent, I do not have any particular remarks. Can we ask, I think I saw the expert nod. So do you have this questionnaire and are you willing to provide it? Thank you. Madame, est-ce que vous avez ces copies? Est-ce que vous êtes prête à les fournir à la Chambre? Merci. Alors je demanderai aux juristes de les récupérer à la pause. I'd like to make a statement about that. Maybe the word survey isn't completely accurate. Peut-être le terme enquête étude n'est pas. The students were given the initial inquiry of those 13 questions. Exact. Those were the questions that they had. Those were the questions that every single subject, dans le cadre de l'enquête, I prefer the word respondent, was given. They did 102 of those. I did 90
plus the 22. It fait 100, yes, et I have a copy of that. It's more, oui, j'en ai des it's copies. More a form that I have that I will make available to the courts where they recorded that information based on those 13 questions into a format that could be easily analyzed. So it's just a two-page format that looks like that. It has things like one column, ceremony details, food, drink, music, speech, seating, promises to Ankar, clothes, chroma, color, other, and they filled in this form, but I certainly will make this document available to the court. Consigner ces informations sur ce formulaire que je mettrai à disposition de la chambre. Monsieur le Président, une dernière question avant. Mr. President, avant la pause, si je peux me permettre. Je n'ai pas compris en matière de chiffres, excusez-moi de vous faire répéter. Je n'ai pas compris par rapport à la question que vous posez, de savoir si, combien d'entretiens ont été menés par ces étudiants que vous n'avez pas vous-même, dont vous n'avez pas vous-même rencontré les personnes qui ont été interrogées, et combien en avez-vous fait personnellement. Je n'ai pas compris le chiffre, si vous pouvez répéter. Questions are we talking of all in all? I didn't quite understand what you said. That's fine. Réponse. I did 90 of these forms with the related questions plus the 22. So that's 112 that I did myself. The students did 102. I will clarify that when the students went out into the field, it was more so that I could get regional samples. When they went into the field, we were in phone contact and we consulted. And if they had any questions, they could contact me. And I followed up with randomly. I chose 7 random samples from those 102 surveys they did, really more or less to do a reliability check on their work. Il s'agissait plus de faire un suivi sur la fiabilité de leur travail. D'accord, donc si je comprends bien sur les, excusez-moi si j'ai un peu de mal, mais sur les 102 entretiens que vos étudiants, enfin que les étudiants ont menés, vous en avez vérifié entre guillemets 7. Est-ce que je dois comprendre? Did you check the form correctly, if I understood you properly? Est-ce que les entretiens qui étaient menés par les étudiants ont été enregistrés également? Conducted by the students, recorded as well. Admittedly, only one quarter of the students recorded the interviews. Seul un quart des étudiants ont enregistré les entretiens. Et sinon, sur le reste, ça veut dire que vous travaillez sur les notes. As regards the rest of those interviews, doesn't mean that you worked on the basis of notes only. Yes, it does. Oui. They're recorded answers to the 13 questions. Ils ont enregistré les réponses and then, aux 13 questions. Again, this form was developed with ce formulaire as much data as I could élaboré get to start collecting avec on autant such de as one column disponible. You will see says pregnancies pour pouvoir, from 1975 to 1979, number of pregnancies, number of live births, number of stillbirths, and place of birth. So this form was developed towards the end of my 90 interviews that I did, so the students could then take these forms into the field with these 13 questions to help, sur le terrain, if you will, do another validation check on the material, the details of the weddings pour voir si on pouvait and the births. Faire une validation, I think the form will be self-explanatory. Une vérification sur les grossesses et les naissances et les données. Je crois que le formulaire en lui-même s'explique. C'est compréhensible en soi. Je pense, Monsieur le Président, que vous voulez marquer la pause. Mr. President, I see you want us to take the break now. President, thank you.
There is a request from the international co-prosecutor regarding the written record of the interviews. En ce qui concerne le PV d'audition. And you said that you would provide the document to the legal officer of the trial chamber. Then the document or the list can be circulated to parties for the basis of questioning. It is now time for break. The chamber will take a short break from now until 3 p.m. Court officer, please assist the expert in the waiting room during the break time and invite her back into the courtroom at 3 p.m. Veuillez la ramener dans le prétoire à 15 heures.